vous conseille mille fois ce jeu que j'ai découvert jeudi dernier. C'est un jeu français. On y a joué 5h10. On le finira sûrement pas aujourd'hui parce qu'on a eu un long just chatting, donc on le finira sûrement demain avant de passer sur Star Wars. Ou mercredi après, mais je vous tiens au courant à la fin du live en fonction de où est-ce qu'on en est sur le jeu. Le jeu est vraiment oufissime. Vous incarnez du coup... Hop, vous incarnez Sauge. Il est en promo sur Steam pour sa première... Jusqu'à jeudi, en fait, pour sa première semaine de sortie. Hop. Vous incarnez Sauge. Qui, il y a 6 ans, a perdu sa sœur dans un accident tragique. En fait, elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais du jour au lendemain, elle n'a plus de nouvelles. On ne sait pas. Est-ce qu'elle est décédée? Est-ce qu'elle a disparu? Dans tous les cas, ça fait 6 ans qu'elle n'a aucune nouvelle de sa sœur, de sa grande sœur Garance. Et un beau matin, alors qu'elle se lève, elle découvre dans ses messages un signal d'alerte automatique. Vous êtes dans les contacts d'urgence de Masco Garance. Ce message automatique a été envoyé depuis le réseau de la planète Cigalo. Le vaisseau enregistré au nom de Masco Garance est dans un état critique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'appel a été reçu que maintenant? Tout ce qu'on sait pour l'instant... C'est qu'on est retourné sur notre planète parce que oui, on a grandi sur une planète qui s'appelle... Merci PlayFox pour le 35e mois. On a grandi sur une planète qui s'appelle Cigalo, mais maintenant on habite en station parce que oui, Caravan Sandwich est un jeu de science-fiction. Voilà, donc on habite dans une station dans l'espace et on retourne sur Cigalo pour la première fois depuis un petit moment maintenant. Hein, voilà. Et... du coup, on y retrouve des gens qu'on connaît très bien, que ça soit des amis ou des gens qu'on considère un petit peu comme notre famille, mais il y a aussi notre papa qui est sur Cigalo. Et du coup, on a et des missions annexes, dont certaines qu'on a déjà terminées, et des missions qui sont principales, qui sont celles-ci. La mission Aqueduc, du coup, où on doit... Parce qu'en fait, quand on arrive sur la planète Cigalo, on se rend compte qu'il y a des espèces de brouilleurs qui font en sorte qu'on n'arrive pas à se situer géographiquement parlant, c'est bizarre. Donc on essaye de détruire ces brouilleurs avec l'aide de Nefle, qui est en réalité l'ex-petite amie de Garance, voilà. Et qui est aussi du coup très 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 triste hein, de sa disparition, slash mort, slash on sait pas. Donc on détruit les brouilleurs ensemble, voilà. Et on a aussi encore deux quêtes annexes qui sont en fond. Il faut 10 sandwichs triangles et 10 barres déjeuner synthétiques. Pour l'instant, j'en ai 8 barres synthétiques et 4 sandwichs triangles. Donc, j'en suis pas encore là. Et il faudra aussi passer voir cette petite grenouille qui nous a demandé de l'aide. Et qui se situe ici, zone dans laquelle nous ne sommes pas encore allés. Tous les points d'interrogation sont des points d'intérêt. On n'est pas non plus allé dans cette zone-là. Voilà. Et la map se présente comme ceci, avec le village d'où l'on vient qui s'appelle Estello, qui est juste là. Voilà. Donc là, on est avec Nefle. Le calcul est en cours. Qu'est-ce que tu foutais? Il y avait quelqu'un sur le toit. Ah, ça n'a pas sauvegardé. Ok. Alors, en réalité, on a déjà fait ça la dernière fois. On est parti de cet endroit avec Nefle. Et il nous a amené, Yael nous a amené à Estello, du coup la ville de laquelle on vient. Et normalement quand on quitte le jeu, c'est censé sauvegarder automatiquement, mais visiblement ça n'a pas fonctionné pour cette fois-ci. C'est un groupe de nomades qui vivent près de la tempête. Alors oui, parce que ça j'en ai pas parlé, il y a une énorme tempête que vous allez voir très rapidement. Et du coup il y a des espèces de sorcières bizarres qui veulent nous empêcher de retrouver Garance. Pourquoi? On sait pas. Moi, j'ai une estimation, c'est qu'en réalité, Garance, c'est une de ses sorcières. Voilà. Pourquoi elle veut pas qu'on la retrouve? J'en ai aucune idée, hein. On va le découvrir ensemble. Peut-être d'ailleurs que je me trompe totalement. Mais voilà, au moins on se régale avec cette petite cinématique. Une deuxième fois, vu qu'on l'a déjà vu ensemble.
Chapitre 4, moteur d'espoir. J+11 depuis le message de Garance. Donc Garance est dans la... Voilà, alors, ça, bah, au final c'est pas si pire hein, qu'on refasse cette scène. Donc on a capté ensemble que finalement le signal de Garance vient de l'intérieur de l'immense tornade, de l'immense tempête qui s'appelle la Tarasque. Voilà, je vous fais un long story short hein, parce que du coup on a déjà fait ça en fin de live et que la rediff sinon on va avoir un peu de redondance. Et donc voilà, c'est pas une très bonne nouvelle, hein, on capte que Garance elle est dans cette immense tempête qui est derrière nous et du coup bah, on se demande ce qui va se passer. Et donc là on va rentrer au village et nous sommes donc en van, comme vous pouvez le voir, van qui se conduit mais extrêmement bien. C'est hyper fluide la conduite en van. Je voulais te dire en parlant ciné, j'ai vu Beetlejuice, sympa, toi qui adore le premier, celui-ci devrait vraiment te plaire, trop bien. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, ça me fait plaisir. Oupsips. Bon là, Sauge, j'explique que ça lui fait bizarre de revenir dans ce village alors qu'elle est partie il y a longtemps et de tous ces gens qui ont évolué depuis sans qu'elle soit là. Je vois pas lire en conduisant. Oui. Oh, dans la vraie vie, on le plie cet arbre, je suis désolée. Nous voilà de retour. Et c'est totalement un open world d'ailleurs, hein, sachez-le. Alors, apparemment, Neff l'a codé quelque chose. T'as encore des bons restes de tes cours de programmation? Ah, ça c'est ton truc, c'est pas le mien. Donc là... Il y a un gadget qu'on va devoir récupérer et en fait c'est un gadget qui nous permet d'ouvrir des portes que jusqu'alors on pouvait pas ouvrir. Je vous dis à partir du moment où on n'a pas fait la suite. Mais du coup, regardez-moi ça. Ah mince, je l'ai pas pris, c'est ça. Enfin, voilà, ça m'apprendra à ne pas lire alors que je l'ai fait au dernier live. Je crois qu'en fait, il faut que je prenne la bagnole. Hein. Bah. Non, ça c'est le grappin. Je vais lui reparler. Il est en mode quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus. Je l'ai fait au dernier live. Ah non, mais j'ai pas quitté ici au dernier live en fait. J'ai forcément un truc, un gadget, quelque chose. Virus évolutif. Ce virus made in Nefle peut être transféré dans des appareils grâce à l'antenne pour détruire leur sécurité. S'il y a des escaliers, c'est qu'il faut pas y aller en van. Oups, oups. J'ai été... J'ai été distrait... Enfin, j'ai spammé le dialogue en mode je l'ai fait au dernier live et je sais plus ce que j'ai fait. Attendez, on va trouver... Déconnecté, ok.
que j'ai fait ? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié, que je peux faire, une touche en particulier ? Salut Yuka ! Mince ! Donc ouais, la plateforme hackée. Ah mais voilà, c'est ça ! Let's go ! Ok, donc c'est le même outil. C'est bon, c'est bon. Fallait que je rentre dans le van et que je hack la plateforme. Et du coup, ça va me débloquer plein de zones dans lesquelles je pouvais pas aller jusqu'alors. Et je peux passer. Et là, je pense que je vais pouvoir ouvrir. Passer avec le van. Est-ce que je le vois ? Je regarde en replay d'habitude, mais je me suis dit que si t'avais un souci, je pourrais peut-être te débloquer. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc là... Diviseur, bouton... Il y a une échelle, un levier. Je pense qu'il va falloir que j'ouvre ici pour faire passer le van. Voilà. C'est le temps que je me remette un peu dedans, hein, j'arrive. Salut ma poulette! C'est un petit jeu indé français qui vient de sortir, qui est vraiment trop bien. Je te laisse faire point exclamation jeu si tu veux plus d'infos. Et là, hop. Et bim. Je sors. J'ai fait passer le van du coup. Je crois que c'est terminé. Bingo! Donc tout ça, c'est des petites phases qui te permettent de découvrir tes nouveaux pouvoirs, etc. Grâce à ça, on va pouvoir retrouver les codes d'accès de la Tarasque. Donc c'est l'espèce d'immense tempête que je vous ai montré tout à l'heure. Super! Je les trouve où les autres réceptacles déjà? Retourne à l'aqueduc, là où on a recherché le signal de vaisseau de Garance. C'est de là-bas que partent les relais. Tu verras que certains sont éteints, il faut les redémarrer. Ils te mèneront au souterrain dans lesquels il y a les réceptacles. N'oublie pas que tu peux maintenant utiliser celui du garage. Il permet de te transférer à ceux que tu as réactivés. Donc ok, donc c'est un point de TP du coup. Si je veux être plus mobile, il va me falloir un moyen d'emprunter les câbles dont les ruines regorgent. C'est une bonne idée, mais ces câbles étaient destinés aux robots uniquement et ils sont très fragiles maintenant. Je pense pouvoir t'aider, mais il va me falloir des métaux très rares pour fabriquer qu'une poulie motorisée suffisamment puissante et solide. Ok, je te ramène les composants que je croise sur le chemin. Bon courage! Je peux me rendre à l'aqueduc avec le réceptacle, je devrais y voir le premier relais à démarrer. Donc ça... Rappel, 11 jours depuis l'envoi du signal de détresse, le consortium tient à vous signaler que les frais de scolarité de Masco Garance n'ont pas été intégralement réglés. Ah bah d'accord, merci. Sympa. Ah, j'ai des nouvelles missions. Rendez-vous au café, on fait une assemblée pour discuter du problème des graines et des nomades. Vous leur passez... Oui, parce que du coup, c'est un truc science-fiction, un petit peu post-apo, etc. Ils ont pas trop de quoi manger, boire... voilà, en tout cas, c'est délicat. Les ressources renouvelables sont chaudes à obtenir. Vous leur passerez le bonjour, j'ai du pain à faire. Sa France, c'est important, je peux venir, bien entendu. Sepp, c'est notre papa, du coup. Hey, on aurait besoin d'un véhicule pour nous aider à aller récupérer quelques pièces, pour qu'on puisse bouger d'ici. Curie, ça va pas donner envie aux gens de venir nous voir. Vas-y, on ira les voir, du coup. Et ça... Si j'ai bien compris... Ça me permet de me TP.
ok. C'est pas mal. Alors, je me permets du coup... d'aller voir peut-être... bah d'abord le village, comme ça je vous montre le village. Je vous laisse du coup, je veux pas me spoiler. Ça marche, des bisous mouf. Bye bye. C'est quand même drôle de taguer les ruines avec Garance chaque été. Quoi, les tags, c'était vous? Pas tous. Les tags. C'est quoi, c'est Randy Pitié, elle existe pas, cette commande, tu veux faire quoi? Alors apparemment, il y a une quête. Ah, c'était éteint. Non, t'inquiète, pas de problème, c'est rendu petit, aucun souci. Alors, c'est quoi cette quête? Meeting des communautés? Ouais, ils ont l'air d'être là, peut-être montés. Pas l'air d'être là. Ah, au café. Coucou, je vous cherchais partout. Regardez comme c'est beau, comme la lumière est belle. J'adore. Bonjour. Oh ma chérie, à peine arrivée, tu cours déjà partout. En plus, tu connais Poivron, à ce qui paraît. La petite sait se servir d'un grappin. Quelle classe! Enfin, t'es pas sans savoir qu'on a quelques soucis au village. Outre les installations qui tombent en ruine, on est encore loin de l'autonomie alimentaire. On s'était fixé cet objectif il y a quelques années. Mais avec les graines qu'on a, on s'est vite rendu compte que c'était impossible. Attends, pourquoi vouloir être indépendante du consortium? C'est quand même pratique de pouvoir se faire livrer des trucs. Ben, on n'a plus de job. Yuka et Olivier pouvaient bosser à distance avant. Safran et Nef arrivaient à revendre de l'électronique sur le marché noir. Mais l'économie du consortium nous fait encore une crise. En plus, c'est clair que pour moi, ce monde ne va pas durer éternellement. Ouais, voilà, vous voyez, il y a des soucis de... bah, réchauffement climatique, catastrophe naturelle, enfin... voilà quoi. On sait jamais si cette tarasque pouvait bien calmer son champ magnétique. Je suis bien content qu'il soit là, ce champ magnétique. C'est tout ce qui les empêche de revenir nous exploiter, ces actionnaires. T'as pas connu ça, toi? Franchement, je serais pas contre quelques collègues et un bureau du temps en temps. Bon, c'était quoi le problème à la base? Oui, revenons à l'essentiel. Poivron a besoin d'aide pour son camion. Et vous, vous avez besoin de l'arche. Je vous donnerai la clé de la cache ancestrale des nomades si vous m'aidez à trouver un ordinateur de bord. Mais on le trouve où, ce truc? Je sais que vous avez des gens qui s'y connaissent en électronique ici, mais s'il y a des gens qui s'y connaissent encore mieux, c'est les robots du refuge. Ils se sont installés à la grande plateforme d'atterrissage il y a pas longtemps, mais ils ont installé une véritable base avancée. Pourquoi vous allez pas leur demander vous-même? J'imagine qu'ils se protègent bien et sachent que le consortium veut les désactiver. Trouver un moyen de les contacter, on pourra sûrement leur négocier un ordinateur de bord. Alors, le consortium, ça a l'air d'être, en tout cas si je me trompe pas, ça a l'air d'être leur espèce de gouvernement, quoi. Qui, visiblement, met pas tout le monde d'accord. Je m'y connais en robot, je peux essayer de faire quelque chose. Sauge, c'est des robots éveillés, tu te rends pas compte du danger?
Tant que tu te fais pas écraser d'un coup de piston, tout va bien. On va trouver une autre solution. Je gère, papa. Bon, ils sont où, ces robots bizarres? Ok, est-ce qu'il y a un truc sympa ici? Oh, je peux même faire un dodo. Est-ce que c'est là où je dormais avant? Il y a un minivan, des affiches au mur. Ça me paraît honnête comme marché. Bon, on va faire leur marché, là. Ils commencent à me gonfler, papa, à me prendre pour une gamine. Alors. Tiens, Sauge, si tu veux y faire un tour, les robots se sont installés là. Super, tu vas pouvoir y aller avec l'antenne. Ok, et eh bah ben franchement, on y va, hein. Par contre, je pense que j'aurais tout intérêt à prendre mon TP. Sauge qui se rebelle. Je suis allée voir la page Steam du coup et de 1, il est pas en promo. Ah bon? Moi, on m'a dit que c'était à 24,99 moins 10% pendant une semaine. Deux, les commentaires négatifs en français, c'est pour chialer sur le Yel. Je sais pas trop ce que ça leur fait à ces gens, hein. Je sais pas trop. Si, je viens de voir, c'est bien en promo. Bon, je sais pas, Yael, peut-être que t'as un problème de refresh sur ta page, mais normalement, le jeu est en promotion jusqu'à jeudi, hein, donc... Ah, ok, alors. Wouhou! Donc, il faut aller là, au repère vert. Le jeu est tellement beau. Je me demande si c'est pas ça la station d'où elle vient, Sauge. Ok. Pardon, je débarque, c'est quoi le nom du jeu? C'est pas dans la catégorie Twitch? Ah mais l'usine, c'est marqué juste en dessous de mon live. Le jeu s'appelle Caravan Sandwich et c'est aussi marqué dans le titre du stream quand même, s'il vous plaît. Avec une faute d'orthographe par contre. Hop, voilà. Ok, c'est bon. Faut que je mette le camion là-dessus, je crois. Salut les aphonies. Ok. C'est pas grave, hein, à Mélusine. Hein. Peut-être que t'es pas du tout habitué à Twitch. Hein. Mais au moins, je te le dis. Ah oui, il manque... T'as pas refresh. Ça arrive, ça arrive. C'est par ici qu'on devait voir les ingénieureuses passer quand elles rentraient chez elles. Ça, c'est pas très ratus. Merci Marin pour le 32e mois d'abonnement, merci beaucoup. Un grand merci pour ce que tu apportes sur Twitch, merci beaucoup. Seul Garance savait comment accéder au plateau en haut. Mais c'était pas si compliqué en fait. Garance, notre sœur, qu'on recherche toujours, hein, je rappelle. Ah, les robots en question.
Il faut... Alors, il faut qu'on... Ça, c'est pas très rapide. Merci, Frozis, pour le Prime. Merci beaucoup. Il faut qu'on se concentre davantage. Bonjour. Ah, j'ai un succès, rencontrer tous les personnages. Oh, une humaine. Énonce la raison de ta visite au refuge. Ah, je cherche des composants, des pièces détachées. Elle veut nous désosser. Ça, c'est pas très rapide. Non, attendez. Merci si pour avoir entamé le troisième mois d'abonnement de Massa, merci beaucoup. Es-tu là pour nous nuire, humaine ? Non, je suis là pour trouver un ordinateur de bord pour les nomades. Ce sont mes voisins, ils ont installé un camp à côté et leur camion est cassé. Oh, mais ce n'est pas un problème pour nous. Des ordinateurs de bord, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Tu veux te servir dans le tas d'appareils électroniques qu'on a récupérés ? Besoin d'autre chose ? C'est génial ! Je cherche ma sœur, elle a disparu il y a 6 ans et il semblerait qu'elle soit dans la tempête. Malheureusement, je n'ai aucune information sur cette personne et j'ai bien peur que nous n'ayons pas le temps de faire des recherches approfondies. Nous avons actuellement une mission de la plus haute importance. C'est-à-dire ? Faire un lieu d'accueil pour les robots de Cigalo. Lamar et moi, Turing, rassemblons les consciences des machines abandonnées ici. L'objectif est la migration de nos consciences vers un serveur, un corps unique commun. Mais pourquoi vous n'allez pas dans un cloud ? Le consortium, qu'elle cherche à nous désactiver. Ma confiance en elle est de 0,000000000. Mais vous êtes pourtant ici parce que le consortium voulait industrialiser Cigalo, non ? Donc ils ont été envoyés par le consortium et au final le consortium veut les désactiver. Comme je vous l'ai dit, le consortium c'est l'espèce de gouvernement. Nous avons participé à la dégradation de cette planète, mais ce n'était pas notre volonté. Aujourd'hui, nous voulons continuer à y vivre en minimisant notre impact. La solution serait de placer nos consciences dans un serveur physique unique qui assurerait notre sécurité. Et avoir un seul corps réduirait votre empreinte écologique ici ? Pas bête ! Une aide pour collecter les consciences serait grandement appréciée. Et si tu en trouves, je peux te les échanger contre les composants que tu cherches. Écoute mon vieux, je me balade beaucoup dans Cigalo et j'en croise des robots. Je vais voir ce que je peux faire. Marché conclu. Nous allons installer un serveur portatif sur ton van pour y mettre les consciences. Reviens me voir si tu trouves quelque chose. Serveur transportable installé sur le van pour y mettre les consciences robots. Pratique pour éviter de les envoyer par le réseau. Avec le serveur installé, ça devrait être facile d'y mettre les consciences. Encore faut-il les trouver. Avec tout le soleil ici, ces cellules solaires ne doivent pas manquer de travail. C'est marrant de se dire qu'au fond, le projet Helios, c'est juste des cellules solaires. Sauf qu'il y en a des milliards, voire même des billions. C'est ça, la synthèse vocale est toujours aussi mauvaise dans le futur. Aucune conscience transférable. J'y travaille. Alors en haut à droite, c'est les composants en fait. C'est pas de la monnaie, c'est les composants que je trouve. Et qui m'aident à améliorer mon van. Par exemple là, hop, composant rare. Voilà. Ça m'aide à améliorer mon van. Parfois on m'en demande. Voilà. Donc là j'ai une nouvelle mission. Tiens Sauge, si tu veux y faire un tour, les robots se sont installés là. Super, tu vas pouvoir y aller avec l'antenne. J'ai parlé aux robots, ils sont sympas. Et elles m'ont dit de me servir parce que les ordinateurs de navigation ne les intéressent pas. Vous êtes là ? Ok. Ordinateur de bord, un élément indispensable aux nomades pour naviguer dans le désert. Sauge ! Ah ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ma chérie, le vieux a commencé à paniquer. Je crois qu'il n'a pas encore compris que sa fille se débrouille très bien toute seule. Et vous avez marché jusqu'ici ? On a couru même. Quand il a commencé à t'imaginer te faire écraser par un robot éveillé, on pouvait plus l'arrêter. Mais elles sont toutes là gentilles à s'incarner. Bah, c'est vrai qu'au final, elles ont à peine notre présence. Remarquez, j'imagine, notre présence. Mais bien joué pour le hack de la porte. Et t'as trouvé l'ordinateur ? Ouais, le voilà. Parfait, vous avez rempli votre part du marché. Ouais, on va pouvoir trouver l'arche.
Bon, on rentre avant qu'il nous fasse une crise d'asthme. Je vais vous ramener en camion. Ah bah voilà, c'est bien ce que... C'est bien ce que je pensais. N'importe quoi. Mais mon père me flique, c'est une folie, hein. Bon, t'es sympa, Sep. Mais j'aime pas trop quand tu t'improvises chef de village. Mais papa ! Oh, mais il est mignon à s'inquiéter pour sa fille. Merci pour le train de la hype, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Merci pour le train de la hype. Merci infiniment. Bon, à vous de jouer maintenant. C'est clair, il y a du boulot. Bravo la petite, t'as géré. Oui, c'était fantastique. Et donc, est-ce qu'on aura l'accès à l'arche ? Dès que j'ai soumis tout ça au conseil. Quoi ? T'avais pas encore parlé de ça aux autres ? Mais en attendant, je te passe l'ancien ordinateur de bord, gamine. Il paraît que tu cherches des trucs à recycler. Bon, soit. Merci, poivron. Préviens-nous quand c'est décidé. En désossant les objets qui vous ont été donnés, vous pouvez dénicher de précieux composants. Tu penses que ça va marcher ? Si ces brouilleurs ne grillent pas encore le système de guidage, ça devrait le faire. Faudrait rendre visite aux robots plus souvent. Ouais, ouais, bah au final, mon père a grave flippé quand je suis allée voir les robots, quoi. Ok. Donc, opération récup, c'est encore en cours. Et là, Turing et Lamar m'envoient des messages. Sauge, je te contacte pour te rappeler que les robots que nous cherchons se trouvent dans les souterrains de Cigalo. Tu devrais pouvoir les voir sur ta carte, mais uniquement quand tu seras sous terre. Il y en a 5 sur nos radars. Et elles ont survécu au virus, mais ont dû rester isolées pendant des années. Fais attention. Donc par exemple, il y en a un qui est là. Ah mais non, ça c'est les robots que je viens de croiser. Tu devrais pouvoir les voir sur ta carte. Ben... c'est là. Souterrain. Ok, ok. Donc, je suis pas encore allée dans les souterrains. Très bien. Ensuite, opération récup. Ça, c'est pas très gratuit. Ah, Phoebe ! Merci pour le 28e mois. Merci beaucoup. C'est pas possible. On dirait que je sub tous les jours. Merci, Phoebe. Opération récup. Ils sont... là, en fait. Bah, je vais faire cette quête tant que j'y suis. Hey, la conductrice du van. Dis, Sauge, tu pourrais me rendre un service? Ouais, t'as besoin de quoi? On est en train de réparer notre véhicule, il nous faut des pièces spécifiques. T'as une idée d'où elles se trouvent? Alors, j'ai repéré une ruine pas loin, on devrait en trouver. Retour de vacances, t'es parti où? Je sais, chez le taf aujourd'hui. J'ai repéré une ruine pas loin, on devait en trouver là. C'était une usine avant, elle produisait tout ce qui servait aux véhicules du consortium. Ouais, donc ça se trouve forcément là-bas. Ouais, mais il faut y aller en van. Trop cool de l'exploration. Ok, allons voir ça. Au Lavandou. Oh putain, mais il y a plein de gens qui sont partis au Lavandou. Marrant. Ok, allons-y. Allons-y, let's go. Oh, Sauge. Oui. Est-ce qu'on peut s'arrêter à un endroit juste avant, s'il te plaît? Promis, tu le regretteras pas. Indique-moi la route. Pourquoi plus jamais? J'étais à Saint-Tropez. Ah! Je suis repartie avec moins 500 balles? Pourquoi? Pourquoi t'as flambé pour le casino? Non. J'allais là-bas. Parce que c'est une ville de merde. C'est-à-dire... C'est une amende, c'est ça? Un endroit très important pour moi. On y arrive très bientôt. Allez, Sauge, traîne pas. Raqueté à Saint-Tropez. Peut-être? Attends, tu m'as même pas dit ce qu'il y avait en haut. Juste le meilleur panorama de tout Cigalo. Ah oui, là c'est brouillé, donc je peux pas voir. C'est beau! Et c'est bon de respirer. Et voilà, admire-moi cette vue. C'est pas magnifique? Ouais, c'est beau, mais... Bah, c'est Cigalo, quoi. J'ai connu ça toute mon enfance. Les endroits finissent par se ressembler au final. Je vois ce que tu veux dire. Mais je suis pas d'accord.
Les endroits sont peut-être les mêmes, mais la façon dont on les perçoit change à chaque fois. En fonction de comment tu te sens, de ce que tu vis. C'est une expérience unique à chaque fois. Je vois. Quand j'explorais, c'était avec ma sœur. Et après sa disparition, je suis allée vivre en station. Bah, c'est peut-être pour ça que t'as du mal à apprécier le paysage. Probablement. Bah, au contraire, elle vit en station, donc elle devrait être contente de voir du paysage. Je venais souvent avec ma grand-mère ici. Je connais juste Cigalo, j'ai jamais été vivre ailleurs. J'aime bien vivre ici pour me poser ou pour admirer la vue. Tu connais d'autres endroits du genre ? Carrément, j'ai un endroit en tête à côté de la ruine où on doit aller. Allez. Par contre, ici, le signal est brouillé. J'ai hack le terminal toaster, faut que j'aille voir s'il n'y a pas des messages intéressants en cache. J'aurais peut-être pas dû le hack parce qu'il est loin et que je sais pas où est-ce que je l'ai hack exactement. Bah, je crois que c'est leur soleil en fait ça, enfin... Ou alors une big station, je sais pas. Mais tu sais, vu que c'est de la science-fiction, on n'est pas vraiment sur la même planète, dans la même galaxie, tu vois. Ah, c'est pas le bon chemin, ok. Oh, mais ça va! Alors. Salut Nobuo. Bon, du coup, toi aussi, tu voyages dans Cigalo? J'ai toujours exploré la planète. Tu dois avoir tellement plus de choses que moi. Avoir vu, pardon. Il est vrai que je connais la planète comme ma poche. Une sphère Edison pour l'énergie. Ah, j'ai pas trop ce genre de rêve, moi, j'avoue. Avec mon van tout-terrain, là. Ah, une sphère Dyson. Ok. Non, mais regarde ce paysage, j'ai envie de pleurer. Bon, j'avoue, cet endroit est grave cool. Et encore, t'as pas vu ce que ça donne quand il y a un concert. Un concert? Je joue dans un groupe quand tous les nomades se rejoignent. Je me souviens, quand j'étais petite, je voulais rejoindre un groupe nomade. J'avais préparé mes affaires et tout. Et ma sœur a tout dit à mes pères et je m'en souviens encore. Ah, mais ses pères, ils sont vraiment flippés de la life. Hein. Bon, après, au final, Garance, elle a disparu dans un accident, donc bon... Mais ouais. Ah bah, excellent. On croise peu les autres groupes. Ouais, ils sont un peu partout dans Cigalo. On se rejoint toutes plusieurs fois par an. On partage des informations, des ressources, on profite tous ensemble avant de reprendre la route. Mais il y a des petits moments où on se pose juste et on profite. Je commence à comprendre. Viens, on se pose un peu avant d'aller chercher les pièces. T'apprends vite. Ah, mais c'est trop beau! Le jeu est vraiment joli. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi chouette. Oh là, elle nous observe. Moi, je suis sûre que c'est Garance. Je suis sûre que c'est Garance, j'en suis sûre. Du coup, tu sais ce qu'il faut comme pièce pour le véhicule? Oups. Ouais, j'ai fait quelques recherches au camp. D'ailleurs, Garance, c'est pas un nom de plante ou de fruit. Si, 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 ils ont tous des noms de plantes et de fruits. C'est une plante, la Garance. Voilà. C'est exactement ça qu'il nous faut. Mais il a pas l'air en super état. Je vais essayer de récupérer des pièces. Tu pourras aller voir dans la ruine s'il y en a d'autres, s'il te plaît. Allez, je m'en occupe. C'est quoi le problème avec votre véhicule? Notre filtre à tambour ionique a lâché. Il était déjà en mauvais état et en passant proche de la tempête, paf! En effet, difficile de le faire redémarrer après ça. Mais il devrait, avec un peu de chance, il y a tout ce qu'il nous faut ici. Il devrait y avoir des composants qui traînent aussi. Je pense que personne t'en voudra si tu t'en sers. Je vais pas me gêner. Et puis sinon, je vois rien. Je passe par là. Ah, ok. Faut que je trouve un moyen de sortir. J'ai besoin de mon camion.
Salut Lucia, j'ai vu le village de Stardew en Lego sur TikTok. Ah ouais, mais pas officiel j'imagine du coup. Ah franchement le mec il est pile dans... Pile dans mon champ de vision quoi. Voilà. Ok, j'ai récupéré une pièce du véhicule du coup. Que quelqu'un devrait probablement pas réussir à empêcher ses filles de s'y aventurer. On parle encore de notre père, Sepp, là. Ouais, voilà, il n'y a pas de courant, ok. Donc là... Coucou, le cadre de la caméra a changé. Non. Juste d'habitude, il est un peu plus comme ça. Voilà. Mais non, non, non. En parlant de Stardew, tu penses tester Tales of Mystria? C'est pas prévu, mais je vois pas trop ce que c'est comme jeu, en fait. Je regarde. Il a très légèrement changé parce que comme j'ai enlevé toute ma caméra, etc. pour le setup The Event, du coup, je pense que j'ai pas réussi à remettre tout à fait où est-ce que c'en était exactement, tu vois. Mais c'est plus ou moins le même quand même. Hein. Ah, un sandwich, ok, c'est ce qu'il me fallait. Composant insolite, composant insolite. On voyait moins le néon bleu. Alors ça, ça n'a rien à voir avec le The Event. Ça, c'est parce que j'ai tué un frelon qui s'est mis dans mon bureau et du coup, j'ai baissé la cam. Rien à voir. Voilà, je pense que là c'est vraiment un peu plus réaliste de comme c'était. C'était un sacré fight, hein. Moi versus le frelon là, c'était pas mal. Hop, qui y était ? C'était magique. Franchement, j'étais fière de moi, hein, de l'avoir géré ce frelon. Mais vous êtes flou ? Ah ouais ? Ah putain, merde. C'est bon là. Bon, me donnez plus l'idée de refaire mon cadre en live, pitié. T'es en focus manuel ? Non. Je suis en focus auto. Hop. Toujours, la mise au point est trop proche, faut que tu l'éloignes un peu. Quoi ? Mais j'ai rien touché. Je suis pas flou là, je me vois pas flou là. Ah si. Ah, avec la propreté de l'objet. Thank you.
J'avoue, j'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que en me levant et en la prenant dans les bras, j'ai enlevé le focus, je sais pas. Je sais pas, aucune idée, je verrai en off, je vais pas me prendre la tête. Je sais pas. Si, si, j'ai une bague autour de l'objectif. Si, si, complètement, vous pensez que c'est ça? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Je crois que là, c'est bon, non? Mais je suis en focus manuel pourtant, puisque quand je vous montre les swatchs des moustiques, ça change. Donc je comprends pas. Bon, peu importe, je vais pas passer ma vie à faire mon cadre de cam, honnêtement. On verra plus tard. Mais je ne suis pas en manuel, c'est ça que je comprends pas, quoi. Normalement, je suis en automatique, donc je sais pas ce que j'ai fait... Je verrai après avoir cut. Et j'ai passé le début du live à vous montrer des cadeaux et à changer le focus que j'ai... Les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire et à changer le focus. C'est bizarre que d'un coup ça se soit passé en manuel. J'ai touché un truc sans faire exprès, mais je verrai plus tard. Honnêtement, j'ai pas trop envie de passer mon live à faire ça. Oui, je pense que j'ai dû toucher la bague sans faire exprès, ouais. Composant insolite. Ok, ben c'est tout bon. Parfait, on va pouvoir retourner au campement et... Mais qu'est-ce que vous faites là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Vous désossez les ruines près du village. Ah, salut, j'ai besoin des pièces de véhicule et sauge m'aide. C'est trop dangereux ici. Vous risquez de mettre des générateurs en panne et prendre les mauvaises pièces. Désolé, Yuka, on pensait pas à mal. Oh là là, heureusement que t'es arrivé alors. C'est super méga compliqué de désosser en sécurité. Et on a trouvé les pièces qu'il nous faut. Bon, ça a l'air d'aller. La prochaine fois, prévenez-moi, je viendrai vous aider. C'est trop gentil, merci. Et il est amoureux ou gêné? Maintenant, je peux enfin ramener B au campement nomade. Oh, déjà, c'est pas tout prêt? Ça te dit de nous accompagner? Oui, ce serait trop chouette si t'as envie, bien sûr. Ah oui, pourquoi pas. Sauge, il faudrait que tu m'aides là-bas pour les pièces. B, qu'est-ce qu'il y a? Sauge, Yuka, quel caractère! Cette gentillesse, elle est incroyable! Oula, toi, t'as eu un coup de foudre. Oh là là, comment je vais faire? Elle va venir au campement! T'inquiète, ça va bien se passer! Monte dans le van! Oh là là! Olé! Toi, Yuka, tu faisais quoi dans le coin? Il est gêné, hein? Je cherchais juste des plantes, je voudrais en planter dans mon nouveau jardin. Des nouvelles dans mon jardin, pardon. Alors, tu as beaucoup voyagé? J'ai surtout vécu en station quelques temps avec mes mères. En station? Et comment ça se passait?
C'est vraiment pas top. Ah, t'as un rêve, B? Oui, peut-être, mais on arrive, je te raconte ce soir autour du feu. Ah ouais, donc il a déjà estimé qu'elle resterait jusqu'à ce soir, quoi. Eh, hey, merci pour la route, c'est trop sympa d'avoir ramené Yuka. Y'a pas de quoi. Je vais vous laisser. Ah, attends, tu veux pas rester pour jouer de la musique avec nous? Tu veux pas passer du temps tranquille avec Yuka? Si, mais j'ai le trac, so, s'il te plaît, aide-moi. Ok, je vais t'aider. Je comprends, en vrai. Moi aussi, je pense que j'aurais aimé ne pas être toute seule. Je pense que c'est plus simple, surtout quand on vient juste de rencontrer quelqu'un. Peut-être de faire un premier date à plusieurs, genre, sans que ça soit un date. Sans que it's getting official, tu vois. Quel talent, Sauge. Elle a des années d'entraînement. C'est chouette toute cette musique, mais il faut vraiment que je m'éclipse. Trop joli ce campement. B est pas mal. Ah ! Trop joli ce campement. B est pas mal, non. J'hallucine. C'est réciproque. Ah, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises hier soir. T'inquiète, B. Alors, ça, c'est fait. Sauge, merci pour tout. Comme tu cherchais des composants, je t'en ai laissé dans le van. Moi aussi, je veux dire merci. Trop contente d'avoir rencontré B et les nomades grâce à toi, Sauge. Avec plaisir, tu nous as été d'une grande aide sur ce coup-là. Merci. La love story, bien sûr. Voilà les coordonnées de la Quéduc. Même si tu commences à connaître, tu peux y aller par transfert en utilisant le réceptacle du garage. Va voir le premier relais qu'on a activé. Je pense que... Je vais faire ça. J'ai peut-être enlevé le brouilleur. Après, j'ai toujours pas la tyrolienne. Il y a des brouilleurs qui sont peu accessibles en tyrolienne. Mais ouais, j'ai vu quelqu'un me demander... Ah. Poster terminal. J'ai vu quelqu'un me demander ce que je pensais du jeu. Vraiment, il est très très cool. Beaucoup mieux que ce que je croyais même, en fait. Il est trop bien. Je vous le conseille mille fois. Je pensais pas que ça allait être aussi ouvert et aussi... Je pensais que ça allait être un peu plus... rigide. Et au final, franchement, il a de l'ambition et c'est très agréable de s'y balader. J'aimerais bien m'attaquer au brouilleur. C'est quoi, une sorte de RPG? Ah non, pas du tout. C'est un jeu d'action. Enfin, c'est un jeu d'exploration. C'est un jeu d'exploration, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? Un message de Garance trouvé dans le cache? Il y a un message de Garance pour Papou? Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais s'il te plaît, arrête de me répéter que ça va aller. Sur les stations, on a beau être dans les mêmes écoles qu'elle, eux, qu'elle nous traite de moins que rien. On n'a pas plus d'avenir ici que sur Cigalo. On ne sait pas que ses études s'étaient passées aussi mal. J'imagine qu'elle inclut Nefle dedans. Est-ce qu'elle pense la même chose? Il y avait un message de Garance là-dedans. Je suis très contente que t'aimes le jeu. Composant exceptionnel. Dès qu'on a commencé à travailler dessus en marketing, on a direct pensé à toi et Oratus, mais après on s'est peut-être jamais sûr des goûts de chacun. Ah oui, vraiment trop trop bien. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance sur ça. Et pour ceux qui se demandent, on a découvert d'abord le jeu en OP. Donc j'aimerais bien prendre de la hauteur pour capter d'où vient le signal brouillé.
Où est le brouilleur ? Merci Kimin Lakachu pour les 3 ambits. Et Twitch qui complète, merci beaucoup. Je rappelle que c'est September en ce moment, vous avez des réductions sur les abonnements que vous prenez. Non mais là... Décidément, je trouve pas le brouilleur quoi. Là-bas. Est-ce qu'on va pouvoir y aller sans la tyrolienne ? Ça, c'est pas très ratus. Merci Gabou pour le 14e mois. Diaven, tu le tech Arnie Lidl. Attends quoi ? Ça, c'est pas très ratus. Que j'avais étant gamin aussi, c'est le meilleur moment. Te voir avec d'autres streamers et streameuses qu'on n'a pas l'habitude de voir ce qu'on faisait dans ce carnet, c'était trop chouette. Merci Gabou, merci Sanoï aussi. Qui a offert un subgift à Twitch. Merci beaucoup. Merci Kaimin Likachu pour le 6e mois d'abonnement, merci infiniment. Ah oui, la musique est géniale et l'immersion sonore surtout était folle quoi. C'était vraiment pour la vanne. Ah mais t'inquiète, ça régale. Merci infiniment Sanoï. Que je veux aller. Ouais, c'est trop bien. C'était trop bien cette histoire de carnet d'idol. Limite, même si, bon bah voilà, c'est comme ça, c'est tout et j'ai pris cette décision. Limite, je suis deg de pas. De l'avoir fait gagner et du coup, bah de pas pouvoir le continuer avec ceux que j'ai pas pu faire, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah voilà, c'est là. Est-ce que je peux y aller? Je ne sais pas. Il faut que j'y aille en van. Est-ce que tu l'as récupéré depuis le WoW Hotel? Non, pas encore. Plateforme. En même temps, le WoW Hotel, il a fini hier soir, donc... Vous voyez ce que je vois? Arrête! Ah, oh, c'est une dinguerie! Ouais, c'est ça, il y a des petites énigmes. Ça devrait te plaire, une fille. Il y a un message de Garance. Tu n'oublieras pas de lui montrer les photos que je t'ai envoyées. Ça me fait de la peine. En vrai, elle me manque aussi beaucoup. Pauvre petite sauge. Elle a encore tellement à affronter dans la vie. J'ai encore ses photos dans ma chambre. Elle m'a envoyé des selfies de sa première semaine de cours. Elle voulait me montrer qu'elle était vivante et qu'elle allait bien. Ça fait 6 ans que j'attends des nouvelles photos. Oh, ça me fait trop de la peine. Donc c'est des messages de Garance de quand elle était encore là, quoi. Bonjour Lilou. Quand elle était en vie. Bah on sait pas en vrai hein, si elle est morte ou pas du coup, hein, vu qu'il y a son vaisseau qui fait un signal. Surtout que moi je suis encore sur ma théorie de la sandwich, c'est la sorcière, alors... Ok, là il y a un sandwich.
C'est Garance, je veux dire. Oui, on a parlé de Antoine qui a joué aux Sims. C'est très drôle. Ah. C'est bien fait ce retour au van, hein. Là, vraiment, pour ce genre de situation, c'est pas mal. Ah, mais si, je l'ai, la tyrolienne, en fait. Ah, ben non, voilà, je l'ai pas encore. Très bien. C'est bien ce qui me semblait. La suite, ça sera peut-être pour après, hein. Réserve des docks. Ouais, il faut que je revienne ici quand j'aurai la tyrolienne, hein. Clairement, ça se voit. Je ne peux pas continuer sans la tyrolienne. Donc nous reviendrons. Ok. Salut baleine des glaces. Alors, on fasse ça aussi. Je me demande ce qu'il y a là-dedans, vu qu'il est accessible que par l'extérieur. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on fait de beau? Je pense qu'on va... peut-être se concentrer sur la mission de Nefl. Et que les autres missions, j'ai l'impression que... en fait, pour l'instant, j'ai l'impression que je suis un peu bridée par le fait de... de pas avoir la tyrolienne, notamment... et j'ai un peu le sentiment, même si je suis pas sûre, que les zones dans lesquelles j'ai un signal brouillé sont en réalité des zones auxquelles je dois accéder plus tard, quoi. Donc je vais me remettre un petit peu à la mission principale avec Nefl. Tiens, voilà les coordonnées de l'aqueduc. Même si tu commences à connaître, tu peux y aller par transfert en utilisant le réceptacle du garage. Va voir le premier relais qu'on a activé et voir si tu peux suivre son rayon de données. Donc c'est là. Ça marche, Yuka, des bisous. Merci d'être resté. Le rayon de données, c'est ça. On va voir ce qu'on peut faire ici. Mais bon, j'ai toujours pas de tyrolienne, quoi. Et...
C'est bon, j'ai tous les composants pour construire la poulie. Donc ça, ça nous... Ok, c'est trop bien. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut pour la poulie. Donc, il faut juste que je me TP... Enfin, que je retourne au garage. Et cette fois-ci, on aura la poulie et plus personne pourra nous stopper, clairement. Salut, Slave. Voilà, on suit le repère rose. Faut juste que je fasse une pause pipi, je reviens tout de suite, j'ai trop... Ok, re. Alors. Donc ça, c'est good. Non, c'est du gorgonzola, Jess. Donc faut que je rentre au village, on a dit. Pour avoir le grappin. Et comme ça, je pense que ça sera mieux. Plutôt que de continuer à explorer et d'être sans cesse freiné par le fait qu'il me manque des choses. Autant aller jusqu'au bout de la mélio du véhicule et comme ça je serai moins... Ça fait combien de jours qu'elle bouffe des tartines de gorgonzola? Comme toi, Nigel. Je sais pas, quand vous faites... Quand vous faites les courses et que vous achetez un pot de gorgonzola, vous le dégommez en une journée? Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je m'en suis acheté un pour que, justement, quand j'ai un creux en live, comme ça, je me fais une tartine et ça me remplit le ventre et j'ai pas besoin de... Mais je vais à la salle de sport après, du coup j'aurai faim sinon. Ok! La poulie! J'espère que t'as pas peur du vide. Personne n'a de tâche pour moi, donc c'est good, je vais construire l'outil. Hello tout le monde, petit message pour soutenir. Je suis une personne qui mérite le respect, la bienveillance et l'amour. Garde cette force et pleine de belles choses à toi. Merci beaucoup! Yay! Je vais être trop badass avec la poulie maintenant. Qu'est-ce qu'elle fout, elle tombe comme une conne. C'est de ma part, je viens de dégommer un minster. Oh! Ponce, il dit minster. Munster, je crois. Ça me fume de rire. Bah quoi, un Munster? Un quoi? J'en peux plus du Munster. J'angoisse un peu de me téléporter dans cette immense tempête. Pareil, comment t'as fait pour avoir autant de talent en bidouillage comme ça? C'est pas si compliqué que ça. Quand tu passes ton adolescence sur une planète paumée, c'est pas facile de se faire des potes. On bricolait ensemble avec Garance, c'était le meilleur truc pour s'occuper. Les adultes nous disaient même que ça nous permettrait d'avoir un job sur Helios. Ça fait rêver, mais c'est pas ce qui s'est passé finalement. Je veux dire, vous avez bien fini par faire des études pour ça. Oui, mais quand tu te rends compte de ce que ça implique vraiment, c'est pas pareil. J'ai pas trop envie de passer ma vie à bosser pour devenir manager intermédiaire sur un projet interminable. Mais chacun son truc, hein. Toi, t'es en études de pilotage, t'aimes ça, non? Oui, c'est ce qui me paraissait le plus évident pour moi. J'ai des bons réflexes, j'aime la technique. Transporter des satellites entre deux éruptions solaires qui font la taille de plusieurs planètes, ça a du style. Ouais, oui, oui.
Il prononçait le T de Metz. Ouais, ouais, il disait Metz, ouais. Mais bon, ça, pour le coup, Metz, je peux pas trop en vouloir aux gens de mal le prononcer dans le sens où c'est juste de la non-connaissance. Une fois que tu le sais, tu vois. La langue française est particulière, bon... Forcé de cons... Enfin, je pense qu'on peut pas en vouloir à des gens de croire que ça se prononce Metz, alors même qu'il y a un T entre le E et le Z. Genre, je pense que c'est un truc qui se sait quand soit t'es bon en géographie, soit quand t'habites pas loin. Comme je peux pas en vouloir aux gens qui prononcent l'an, la on, quoi. C'est soit un manque de connaissances, soit juste, bah, t'habites loin. Enfin, soit c'est un manque de connaissances et c'est parce que t'habites loin. Après, une fois que tu le sais, tu le sais. C'est comme Oyonnax, Auxerre, Laon, Metz. Voilà, faut le savoir, quoi. Genre, je suis tolérante, quand même. Paris. Après, quand à l'utilité... Après, je pense que quand... Il y a moins... moi, j'ai jamais vu personne prononcer quand, Caen. Je pense que c'est parce que... il y a le foot, tu vois. Je me dis que c'est ça. Je crois que Oyonnax, je crois qu'il y a du rugby à Oyonnax, je crois. Et je crois que du coup, les gens prononcent quand même pas mal Oyonnax. Tu vois. Donc, ça dépend aussi de la... De la visibilité de la ville, quoi. Par exemple, genre Guingamp, rien à voir avec la prononciation, mais Guingamp, c'est quand même une ville pas très grande et il y a beaucoup de gens qui connaissent Guingamp parce que le foot, quoi. Le foot. Oui, le foot, me tuez pas, le sport. Voilà. Après, quant à l'utilité concrète de la chose, je comprends. Ça te dit de tester la poulie en simulation? Oh, ma porte vient de s'ouvrir toute seule, j'arrive. Je suis à Montpellier, moi, Marcus. Faisons ça. Alors, vu le risque, on va revoir quelques règles de sécurité. Tranquille, j'ai pas prévu de tomber cette fois. Bon, ça marche, mais oublie pas que tu peux aussi créer des câbles avec le grappin. Oh, c'est malin. Tu vas voir ce que j'ai dans le ventre. Ok. Motorisé. Là, je vais pouvoir créer un câble. Oh là là, que c'est bien fait. Regardez-moi ça. Pour l'anecdote, Guingamp, le stade de foot a plus de capacité que d'habitants. Ouais, c'est marrant, en vrai. Super, t'as géré. Comme d'hab. Faut qu'on trouve les autres fragments de données, j'ai détecté d'autres réceptacles. Espérons qu'on y trouvera ce qu'il nous faut. D'ailleurs, certains souterrains sont coupés du réseau électrique. J'ai peut-être un plan pour que tu puisses les alimenter à nouveau. Donc continue à ramener des composants et beaucoup. Ce que je prépare va être complexe. Ça marche. Alors, faut que je retourne à l'aqueduc pour trouver le relais tout en trouvant des composants en chemin. Facile. Pour alimenter les vieilles machines à partir du van. Pas de blague cette fois. Eh mais j'ai assez. Ah non, j'ai pas assez. Okay. Pour améliorer mes prochains composants, il me faut 19 pièces hyper rares. Alors, j'ai des nouvelles missions.
Service de livraison de merde. Service de livraison de merde. C'est incroyable ça. J'ai une galère de livraison, pas possible. J'ai reçu une nouvelle, aucune nouvelle de mon kit d'injection. Ça fait un petit moment là. Il est pourri leur système, c'est incroyable. Vas-y, je vais aller les aider. Oh bien la tyrolienne, ça nous ouvre plein de possibilités du coup. So, j'aurais besoin de toi ma puce. Alors, faut que tu passes au quartier ? Oui, Poivron m'a indiqué l'emplacement de l'arche nomade. Mais c'est génial ! C'était pas une mince affaire. L'arche est gardée et entretenue par les nomades depuis des générations. Le fait qu'ils nous fassent confiance à ce point, c'est incroyable. Ça va permettre au village d'avancer vers l'autonomie alimentaire. C'est un cadeau incroyable qu'ils nous font là. Oui, parce que du coup, comme on est un peu en post-apo sans être en post-apo, enfin c'est de la SF dans tous les cas, on est dans une réalité où il manque, bon, j'ai envie de dire comme nous, mais il manque de la nourriture, il manque de l'eau. Donc ils sont pas du tout autosuffisants, c'est compliqué, blablabli, blablabla. Voilà. Est-ce que tu pourrais m'y accompagner, s'il te plaît ? Allez, j'ai du temps libre. Merci ma puce, ce petit voyage va être bien sympathique. Oh, petit voyage avec notre papa, je me demande ce qui va se passer. Mais du coup, humain de Cigalo, j'ai besoin de vos avis sur un problème. Qu'est-ce qui se passe ? On t'écoute. J'aimerais en parler en personne si ça est possible pour vous. Ok, et Safran, du coup, celui-là, on le verra après. Et là, hello Estello, pour vous remercier de votre aide, on vous donne un petit coup de main avec votre souci de nourriture. J'ai donné l'emplacement de la fameuse arche nomade à Sep. Si quelqu'un pouvait y accompagner, ça serait super. Bon, bah c'est parfait. Allez, on y va. Estello a pas mal changé en 6 ans. Mais du coup, elle a pas revu son papa depuis 6 ans. Ou alors peut-être que c'est son papa qui venait la voir à la station. Il y a eu beaucoup de travaux. Après, je me suis surtout occupée du café. C'est mon bébé. J'ai aménagé tout l'intérieur. J'ai aussi bien évidemment élaboré la carte des boissons. Merci Massa pour le 35e mois. Merci beaucoup. Waouh, Soj, c'est beau comme t'as progressé en pilotage. Je sais pas s'ils se foutent de ma gueule ou... Qu'est-ce que t'as grandi ? Heureusement que j'ai grandi en 6 ans. C'est cool qu'on passe un moment ensemble. Il va regretter de m'avoir dit que je m'étais améliorée en pilotage. Il aurait pu dire genre « Ah, je regrette ce que j'ai dit. » Donc là, c'est le brouilleur. Composant. Rah, il me manque une peluche, une seule peluche pour la quête du bébé. J'espère que je vais pouvoir la trouver. Faudra qu'on la trouve d'ici la fin du jeu. Hein. Bon, il faut qu'on trouve cette arche. Ensuite, on ramène tout ça au village. Tu veux un coup de main ? Je vais pas t'embêter avec ça. Puis t'as probablement plus important à faire. Mais enfin, papa, ça me dérange pas de passer du temps avec toi. Ça fait 6 ans que je t'ai pas vu. Ah ouais, d'accord. C'est quel genre de garde alternée, ça ? Ça va, papa ? So, je suis désolée. Écoute, trouvons d'abord l'arche, on discutera de tout ça après. Il doit y avoir une porte à ouvrir. Ah, mais je pensais qu'il venait la voir sur sa station, quoi. Ça craint. Les nomades m'ont donné la carte d'accès. Essaye de trouver où elle va. Mais c'est ouf. Genre, je vais méditer un instant. Ok. Parmi tous les beaux noms de plantes qui existent, j'aurais eu le seum qu'on me donne un nom de champignon. Ah mais après, le cep, c'est tellement... C'est tellement noble. J'ai changé d'école en station, je dormais dans une chambre capsule. On pouvait pas se payer les modules de centre-ville super cher. Il fallait bien être à l'heure en cours. J'avais tellement mal aux jambes après. Comme quoi, les palettes moisies, ça peut pas faire de mal. Les cèpes, c'est quand même un champignon hyper noble. C'est quand même la classe, quoi. Il était bizarre, papa. Essayons d'ouvrir cette cache. Et... Je regarde un peu autour de moi, hein, avant d'y aller direct. Ah ouais, c'est trop bon, les cèpes. Oh là là, les pâtes aux cèpes, bébé. Ah. Gris.
peut escalader les roues là-bas, mais pas celle-là. Ça. C'est moi. Anderson, Ivanov, Santos, Chen. Les dossiers de toutes les personnes ayant résidé dans ces quartiers, je me demande si je peux y trouver mamie. Merci. Maintenant, quand je vois champignons, je pense à la collection Champi de l'Odem. Oh bon, les cèpes, trop cher aussi. Mais c'est vrai que les champis de Paris, ça fait le taf aussi. Tiens, ce soir, je vais me faire des gnocchis gorgonzola. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté ce pot de gorgonzola. Gnocchi, gorgonzola, champignons noix, là. Miam, 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 miam. Il manque plus que des épinards, mais j'en ai pas acheté parce que j'ai oublié. Après, j'ai un brocoli, mais bon. Je trouve que ça va pas... Je pense que c'est mieux que je fasse des pâtes au brocoli, genre, à part. Ah, le sandwich. Je m'imagine mal passer mes journées devant un ordinateur. Il y avait quelqu'un qui devait venir ici travailler tous les jours. Bidouiller l'ordinateur avec sa petite tasse de thé, s'assurer que les quartiers ont tout ce qu'il faut. Pas si mal finalement. Il y a peut-être même eu des dramas dans ce bureau. Salut, il est beau ce jeu, il me rappelle celui basé sur l'escalade. Ah, Jusante, c'est le même studio, les mêmes devs? Je ne crois pas, mais je peux peut-être me tromper, donc je veux pas... Ah voilà, non. Faisant exceptionnel. Il y a un air, non? Alors moi, je trouve pas du tout, mais après, du centre, je l'ai pas eu dans les mains, j'ai fait que juste le voir, tu vois. Donc je sais pas. J'ai pas joué à du centre d'ailleurs. Salut ma ridicule, le jeu est trop bien. Je vous le conseille mille fois. Oh, j'ai loupé un truc. Le replay de ma première session est disponible sur ma chaîne replay. C'est ça l'arche nomade. Je m'attendais à plus impressionnant. Donc il y a des gens qui vivaient ici en fait. Il y avait une organisation... une orga. Je crois que tu vas le finir aujourd'hui. Bah je voulais mais je pense pas. Parce que comme je vais à la salle à 20h et quelques... On verra bien. Au pire je le finis... Ah c'est ça, c'est les graines que Seb cherche. Vous vous en sortez, j'ai tout ce qu'il faut. C'est super saut, je t'attends à côté du van. Ok. Mais après, comme j'ai pas eu de jus centre dans les mains, je peux pas trop faire la comparaison. Moi, là, tout de suite, comme ça, je trouvais pas, mais... Enfin, apparemment, c'est vraiment un super jeu. Ça se fait que là, il n'y a pas le courant. Parce que là, c'est bleu, donc ça marche. Après, peut-être que... Parce que vous savez, la dernière fois, je disais « Oh là là, j'ai pas de retour à faire sur le jeu, j'ai pas de... de critique, entre guillemets, du jeu. » Argumenté, hein, j'entends. Et plus on avance, plus je pense avoir mis le doigt sur un truc qui, à mes yeux, manque un petit peu. À tout moment, c'est fait exprès et on aura les réponses plus tard. Mais je pense que comme on est dans un univers de science-fiction, je pense que le jeu mériterait...
d'avoir une encyclopédie. Genre, qu'est-ce que c'est exactement le consortium ? Enfin, est-ce que vraiment... Ou alors, en tout cas, quand on découvre un lieu, on découvre une fiche de lore avec, et qu'on veuille la lire ou pas. Parce que là, pour l'instant, je suis en mode, ah ok, donc là, il y avait des gens qui vivaient ici. Ou peut-être que ça a été dit dans les dialogues, et peut-être que c'est moi qui les ai pas très bien intégrés, slash lu, compris, tout ce que tu veux, tu vois. Mais parfois, j'ai des questions, genre sur le consortium, sur... certains trucs, ouais, de l'univers dans lequel on est, et j'ai pas toujours les réponses. Alors je me dis, est-ce que ça va venir plus tard ? Est-ce que je sais pas, tu vois. C'est bon, papa, j'ai toutes les graines. Merveilleux, Sauge. Tout ça va vraiment nous aider pour l'autonomie alimentaire du village. Alors qu'on remercie les nomades pour leur aide. C'est prévu, j'irai voir le poivron. Ah, au juste... Oui ? Je voulais te dire, je suis désolée. Je n'ai pas été présent depuis ton retour sur Cigalo, c'est vrai. Et depuis la disparition de Garance, je n'ai pas été très... Je n'ai pas été le meilleur des pères. Il n'y a pas d'excuse, j'aurais dû être plus présent pour toi. C'est juste que je ne sais pas exprimer ce que je ressens. Je n'ai jamais vraiment su, à vrai dire. Et la disparition de Garance, le fait de ne pas savoir exactement ce qui s'est passé, le divorce avec ton père, mon monde entier s'écroulait. J'avais tellement peur de te perdre toi, en plus, que je me suis enfermée là-dedans. Et avec ton retour, j'étais comme paralysée. Je voulais passer du temps avec toi, mais 6 ans... Je comprends, mais t'aurais pu me parler de tout ça, tu sais. Je sais, Sauge, et je vais essayer de faire mieux. Je veux que tu saches que je suis incroyablement fière de la personne que tu es devenue. Merci. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi, ma puce. Et moi aussi, je suis désolée. J'aurais pu passer te voir avant et prendre plus souvent de tes nouvelles quand j'étais en station. Tu n'as pas à t'excuser. Je suis contente qu'on ait clarifié toute cette situation. Moi aussi, ça fait un point en moins. On devrait rentrer au village, tu en penses quoi ? Bonne idée. Ouais. Je sais pas. Et c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien avoir du lore. Dans le sens où... Alors oui, c'est vrai qu'il est un peu useless, notre père, depuis qu'on est rentré. Et je comprends qu'il bug parce que 6 ans, blablabla. Mais du coup, 6 ans, alors qu'on a l'air d'en avoir 18 grand maximum. Bah... Genre... Tu m'étonnes, en fait... que tu trouves ça bizarre, parce que 6 ans, quand on a 18 max, bah, c'est comme si tu connaissais plus l'enfant en question, enfin, je trouve. Et au-delà de ça, mais pourquoi pendant 6 ans, ils se sont pas vus, alors même que ça avait l'air d'être extrêmement simple pour Sauge, et d'aller à Cigalo ? Est-ce que du coup, c'est dur d'aller sur la station où elle habite ? Je sais pas, mais j'avoue, je trouve ça un peu particulier, quoi. C'est pour ça que je dis que j'aimerais bien avoir plus de lore. J'ai du mal à comprendre des trucs, quoi. Que là, bien oui, tu m'étonnes. 6 ans plus tard, c'est presque comme si c'était un inconnu, quoi. Mais... Je suis surprise, parce que c'est pas... Enfin, en tout cas, au début du jeu, on voit Sauge venir ici. Nef a l'air de faire les allers-retours entre la station et ici. Donc, je sais pas, j'avoue, je capte pas trop, quoi. Pourquoi on s'est pas vu pendant 6 ans ? Pourquoi il est pas venu à la station ou l'inverse ? Attends-moi ici, Sauge. Peut-être qu'on le saura plus tard, hein. Je vais aller chercher Yuka et Safran pour qu'on discute de tout ça. Alors, cette arche ? Franchement, je m'attendais à un peu plus. C'était quand même un peu impressionnant. Salut, Creeperman. Et ça rigolait pas niveau sécurité. Bon, il n'y a plus qu'à tester ce genre de graines et voir ce que ça donne. Je vais m'y mettre, qu'on ne perde pas plus de temps. Comme c'est des graines qui se sont adaptées au climat de Cigalo, on peut faire pousser ça n'importe où. Un pas de plus vers l'autonomie alimentaire du village. Cep, Sauge, c'est du très très bon boulot. J'ai hâte qu'on puisse profiter des premières récoltes. Sauge, merci pour ce moment, ça m'a fait du bien qu'on puisse en parler. Ouais, tout est plus clair maintenant. Dis, Clémentine devrait pas tarder... Elle vient toujours prendre le café ici après sa journée. Ça te tente qu'on le prépare ensemble ? Avec grand plaisir, papa. Je sors les graines. Comme ça, contrôle un peu plus le flux du lait que tu ajoutes. Vas-y doucement. C'est plus facile quand c'est les machines en station qui font ça. Tu peux boire ça. Comment s'est passée ta journée, Clem ? Donner un coup de main à poivron. Merci Creeperman pour le 30e mois d'abonnement. 30 mois, ça commence à faire. Merci pour les bons moments en stream et les belles valeurs que tu transmets à ta commu. Merci beaucoup.
Notre papou, il est sur la station, du coup. J'ai donné un coup de main à Poivron. Il lui manquait quelques pièces pour son éolienne portative. Le café a un goût différent aujourd'hui, t'as changé quelque chose? C'est Sauge qui l'a préparé. Ah, je vois, tu formes la relève. Je sais pas si c'était une critique ou... Je sais pas. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il y a un problème de livraison, d'après ce que j'ai compris. Mais enfin, quoi, c'est pas vrai. Même pas foutu d'envoyer le bon colis. Perso, j'aime bien les histoires qui te font pas d'exposition quand t'arrives au milieu de la vie de quelqu'un, vu que tout le monde dans l'histoire sait ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que sans explication, on perd un peu les motivations des persos. Ouais, je suis d'accord aussi avec toi, Beryl, en vrai. Eh, ça fera un problème? Un peu, ouais. J'avais commandé de la bonne farine et à la place, on m'envoie un robot pétrisseur. J'en ai déjà un, moi. De la farine, ça se trouve facilement, non? Pas sur Cigalo. Et avec ce problème de graines, c'est clair que celles qu'on a trouvées vont mettre un moment à pousser. Du coup, on doit utiliser de la farine synthétique. C'est pas top pour l'autonomie du village, mais on n'a pas le choix. Je comprends mieux. Bon, c'est pas tout. Il faut que j'aille remettre ce colis à la gare à pied. En plus, il pèse une tonne. Je peux l'amener avec mon van, si tu veux. Il faut juste le charger sur le toit. Ça serait super. Merci, Sauge. Ok. Alors, juste avant, je voulais... Bon, de toute façon, je reviendrai au village. De la farine synthétique, ouais. Je sais pas avec quoi c'est fait. J'ai la caisse sur le toit, mais je peux quand même me balader parce que souvent, quand je fais une quête, il m'arrête. Ce symbole, c'est un peu flippant. Je vois pas qu'il aurait pu faire ça au village. Non, mais c'est la sandwich, c'est sûr. Ah, merci Griex. Faut juste que tu fasses et bam, le prime. Promis, j'oublie plus. Ah, salut, c'est Greg. Faut juste que tu fasses F5 pour le lâcher. Sinon, il part pas. Merci. Ah! Ouais, c'est Craig. Merci beaucoup. Faut juste que tu... Oh putain. Faut juste que tu... Soit tu refresh ou un truc comme ça, mais là tu l'as pas fait proc. Après, je sais pas, peut-être que ça compte quand même. Hein. Bon, faut que je me concentre là. F5. Genre que tu refresh. Après, t'es peut-être sur mobile. Du coup, genre que tu relances l'appli, parce que on dirait qu'il a pas proc. Je suis déjà allée là, en fait. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Flemme, 6 mois d'avance, niveau 2, merci beaucoup. Aha, j'ai pu commander un hoodie plaid gris pour la nif de mon chéri frileux le mois prochain. Merci, ça fait trop plaisir. Il en reste plus beaucoup des hoodie plaid gris, donc bah merci beaucoup. Échelle électrique. Un casier. Le collier était adressé à un certain Denis Rasco, c'est étrange. Autant que c'est que cette personne qui a reçu la farine que Safran a commandé. Ah voilà, merci pour le 4e mois. Je lui en parlerai, je vais retourner le voir. Pour le rose, il n'y a qu'une seule préco, elle est jusqu'au 23. Le hoodie plaid rose. Il y a un message de Garance pour Rose. J'ai beaucoup repensé à la discussion qu'on a eue la dernière fois. Tu avais raison pour Nefle. Tu as su mettre des mots sur ce que je ressentais et je t'en remercie. Je sais pas si je devrais lire tous ces messages en fait. Je pensais pas que Garance était si proche de Rose. J'ai reçu une notification pour le renvoi du colis. Tu peux repasser me voir. Content de voir que la situation s'est réglée. J'espère que mon colis arrivera bientôt. Je repasse au village. Ok. Ça, c'est pas très ratus.
Merci, Max Poisson. Merci pour le sub, Max Poisson. Merci beaucoup. Bienvenue dans la team d'Eratus. Merci infiniment. C'est le September. En ce moment, il y a des réductions sur les subs achetés. N'hésitez pas à regarder les modalités. Dans tous les cas, je vous suggère de vous abonner via ordinateur et moins par mobile, à part si vous lâchez votre Prime, là, peu importe. Ah, là aussi, il y a un terminal. Parce que sur téléphone, souvent, il y a des frais. Enfin, en tout cas, si vous avez un iPhone, c'est le cas. Après, on n'en est qu'au début encore du jeu, non? On en est à la moitié, Med. D'après ce que les devs nous ont dit la dernière fois, en tout cas. Me voilà tout ratus désormais. Eh bien, très cher Max, ça vous va à merveille. Mais ouais, voilà, les hoodies plaid rose, si vous voulez en avoir un, il faut le précommander. Et pour le précommander, c'est jusqu'au 23 septembre. Il y a un message de Garance pour moi. Coucou So, je t'en fais pas pour moi, les stations c'est pas si mal. Je te raconterai la procédure du décollage du vaisseau cargo quand je serai de retour. Je t'aime fort, fort, fort. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'ai pas vus avant de rentrer au village? Oui, je pense qu'on aura des réponses plus tard. Ah, ça, c'est enseveli. Playstore prend aussi 50 centimes de frais de mémoire. Donc passez bien par PC pour ne pas vous en faire manger d'argent supplémentaire. C'est clair. Par une autre multinationale encore, c'est... Bref. De toute façon, c'est comme ça, hein. On est dépendant de Twitch, c'est comme ça. Je sais qu'il y a des streamers qui... Là, il y a une radio. Je sais qu'il y a des streamers qui passent par des Patreons. Par des... Ça, c'est pas très ratus. Merci 35 73 113 pour les 6 mois d'avance. Merci beaucoup. Genre là, j'y suis jamais allée, non? Ah, il y a un point d'accroche. Ouais, j'ai vu que Ponce avait sorti un Patreon pour être soutenu différemment que par Twitch, etc., etc., mais bon. Ok, je crois que c'est pour plus tard, cet endroit. Ah oui, ça doit être Estelle. Ouais, ça doit être ça. Oui, on a une tyrolienne maintenant. C'est trop bien, la progression se fait bien. Hein. Mais le subgift, c'est trop bien parce que ce qui est bien avec le subgift, c'est que ça fait plaisir à deux personnes. À la personne qui... Enfin, au streamer et à la personne qui est subgift, quoi. Un message de Garance. Je vais passer la nuit chez Rose. M'attendez pas pour manger. Il n'y a pas d'heure pour discuter autour d'une infusion. Rose et Garance passaient des soirées entières à discuter ensemble. Sauge, tu sais, ton père est vraiment pas doué, mais il t'aime beaucoup. Ouais, il pourrait le montrer un peu plus. Pour essayer d'initier la conversation, on verra. Ma chérie, tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi, je te fais confiance. Il
Enfin, je pense que ça sera pour plus tard. Hein. En fait, en faisant ça, je cherche aussi la dernière peluche pour abricot. Je l'ai pas encore trouvée, je sais pas pourquoi. Non, Rose, c'est pas notre mamie. Je pense que c'est juste la doyenne du village et qu'on est proche d'elle, tu vois. Et que notre sœur l'était aussi. Je fais ça au cas où si je tombe sur la peluche. Mais non, non, c'est pas notre mamie. On va retourner au village. J'y suis allée là. T'as passé 30 heures sur la démo, mais comment ça, Captain Tagada ? À partir de jeudi de la semaine pro, Twitch ajoute des subs à tous les subgifts de plus de 5 subs. Ah, j'avoue. Donc si vous voulez faire des subgifts... Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Attendez jeudi prochain. Vous savez d'ailleurs, fun fact un peu inutile, mais vous savez que c'est la première fois depuis longtemps que je gagne des abonnés sur Instagram, que je gagne des followers sur Twitch. Je crois que ce The Event est particulièrement m'a fait faire découvrir par des gens. C'est assez marrant. Parce que forcément, Twitch, maintenant, c'est une vieille plateforme. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des comptes qui ont été désactivés, des gens qui ne te suivent plus, qui suivent d'autres gens. Enfin, c'est normal, quoi, tu vois. Avec d'autres personnes, on essaie désespérément de sortir de la map et de la démo. Et on a presque réussi, d'ailleurs. Ah ouais ? Ouais, le carnet d'idoles, je pense que ça a pas mal fédéré. Mais c'est vraiment marrant en vrai. Hein. Salut Dor Corday. Ou alors changer d'avis. Mais je le savais pas parce que moi, pour le coup, je regarde pas du tout mes followers. Je sais pas combien de followers j'ai. Je sais pas ça. Je savais sur Insta parce que ça descendait beaucoup sur Insta, donc je l'avais vu. Surtout que j'avais été contente de passer les 84 parce que c'est dur sur quand t'es streamer d'avoir des abonnés sur Insta, on en avait déjà parlé, etc. Bon après c'est pas très grave, hein, mais je le savais sur Insta parce que j'avais vu. Par contre sur Twitch, ouais. J'avais pas vu. Non, on peut pas savoir le genre des followers sur Twitch, Givera. Ah Soj, merci beaucoup pour le coup de main. Ouais, à ce propos, il se pourrait que j'ai hacké le casier pour lui faire croire que j'ai renvoyé le colis. Et qu'en réalité, j'ai recyclé le robot pétrisseur. Mais c'est parce que j'avais vraiment besoin de ces composants. Bon, c'est pas très légal ce que tu m'as fait là, mais... Mais j'ai reçu une notification comme quoi le colis était bien renvoyé, donc ton tour de passe-passe a bien marché. Ça apprendra au consortium d'envoyer les mauvais colis. En parlant de ça, le colis était adressé à un certain Denis Rasco. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer de le contacter via Toaster, autant c'est cette personne qui a reçu ta farine. Je pense pas que ça soit nécessaire. Denis Rasco, c'est moi. Quoi ? C'est le nom que j'ai eu à la naissance, le nom que j'utilisais en station. Ah, je savais pas, pour moi t'étais juste le tonton ronchon du coin. C'est le cas aussi, quand j'étais jeune j'étais optimiste. Je pensais qu'il suffisait de bosser dur pour avoir sa place en station. Mais j'ai accumulé trop de dettes et j'ai dû disparaître. Oh wow, je m'attendais pas à ça. Pourquoi avoir choisi Safran ? J'ai décidé de prendre un nouveau nom pour disparaître un peu des radars et m'intégrer à la communauté sur Cigalo. Malin, t'as pas peur que le consortium te retrouve ? Bon, le consortium mange des planètes pour le petit âge maintenant. Ils absorbent des civilisations entières. Je pense pas qu'ils soient à 130 000 crédits près. En effet, je suis contente que tu aies atterri ici en tout cas. Merci Soj. Je voulais te demander... Tu veux qu'on prépare un pain comme quand tu étais petite ? Très mignon ces petits moments qu'on passe avec les habitants.
et du coup je gagne des composants. J'ai hâte de venir récupérer une de tes baguettes. On est à une barre de céréales. Vraiment, les doudous, il m'en manque un. Ça me rend folle, je crois. L'assistant d'études, on n'est pas encore allé. Ça, c'est les robots. C'est une tâche éphémère. On va la faire aussi. Et après, on va continuer les fameux réceptacles. Et on va aller à l'aqueduc.